Salut tout le monde, c'est Barre de Fer. Comment allez-vous? Moi, personnellement, ça se passe aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle Hunger Games sur le serveur Hunger Games-MC. Donc, oui, j'ai déjà sorti une vidéo sur ces Hunger Games hier. Je suis avec le kit Vampire, donc qui est un kit que j'ai déjà utilisé dans la précédente vidéo. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris, etc. Enfin bref, là déjà, je vais faire le petit sponsor donc qui fait spawner un coffre avec des objets dedans, quand on est VIP, bien sûr. Donc voilà. Donc, j'ai pris le kit Vampire parce que c'est un kit plutôt pas mal. Enfin, moi, je l'aime bien. Il fait spawner avec 5 pommes. Et en plus, on régène de la vie quand on tue quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt sympa. Comme ça, pour se faire des alliés, c'est plutôt sympatoche. Et puis voilà. Donc la plupart aussi vont se dire, mais pourquoi tu réutilises le même kit vu que tu as déjà utilisé dans la précédente vidéo, etc. Parce qu'en fait, vu que je filme tous mes Hunger Games, je choisis pas forcément tout le temps mes kits. Enfin, si, je les choisis, mais enfin, je sais pas tout le temps quand je vais gagner avec l'un ou l'autre kit. Enfin, bref, c'est un petit méli-mélo de conneries. Enfin, bref. Et donc, voilà, au final, je me retrouve à gagner un autre Hunger Games avec le kit Vampire. Donc, ça prouve quand même que ce kit est plutôt efficace pour gagner, etc. Enfin, bref, là, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui me focus. Moi, je décide d'essayer de le brain, pour ceux qui parlent anglais. Et donc, voilà. Donc, j'ai plusieurs, même beaucoup d'annonces à vous faire. Donc, déjà, je vais d'abord commenter un petit peu le début, parce que c'est rien, pas énormément intéressant, mais bon, je vais vous le faire quand même. Donc, là, j'ai vite le temps de dire un truc. Donc, je voulais vous dire que là, j'étais pas sur le même ordi. Vous allez le voir au niveau des FPS, etc. Enfin bref, vous allez voir tout ça. J'étais sur l'ordi à la sœur à Snow, qui est le même que celui à Snow. Donc normalement, j'aurais dû faire autant d'FPS. Mais vous allez voir que pour cette partie, ça va pas le faire du tout. Enfin bref, je vais vous expliquer pourquoi après. Là, je vais juste commenter. Donc là, j'ai mis un petit coup d'épée, mais une flèche, je crois. Enfin, si j'ai bien vu. À moins que ce soit un coup de poing. Là, il va essayer de me mettre une flèche, il va se fail. Et là, il va me rush. Donc au début, je pouvais pas le taper, j'ai pas compris pourquoi. Lui, il arrive à me taper, mais bon. Voilà, je l'ai tué easy. Vous avez vu que ça m'a régène presque toute ma vie. Donc voilà. Donc je crois que le kit vampire, ça marche. Par exemple, si on retire 3 cœurs à l'ennemi et qu'il meurt, on régène 1 cœur et demi, je crois, si c'est ça. Et si on lui retire full life, il perd. On régène 5 cœurs. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Après, sûrement que je dis des conneries. Donc là, je vais m'approcher d'un autre gars, donc je vais un peu le prendre dans le dos. Je crois qu'il venait de se finir de ce fight. Enfin bref. Donc je vais essayer de regarder un peu le gameplay. Moi, pour l'instant, je vais faire mes petites annonces. Donc déjà, je voulais vous dire, donc j'étais sur l'ordi à la sœur à Snow, ça j'ai déjà dit. Donc elle fait plus, enfin l'ordi fait plus d'FPS, enfin normalement, il fait plus d'FPS, pas sur ce gameplay, on va dire, parce que sur ce gameplay, en fait, on avait des bugs de connexion avec Snow, lui aussi, il avait des bugs de connexion, et en plus, le PC, il avait pas été reboot depuis longtemps, donc voilà, ça joue aussi. Après, il y a eu aussi parce qu'il y avait Snow, au bout d'un moment, il commençait à regarder des vidéos, et avec Sako, quand un ordi regarde la vidéo et l'autre est sur Minecraft, c'est vraiment abusé la connexion, enfin bref, on s'en fout. Mais maintenant que j'ai mis toutes les performances au maximum, que j'ai fait un petit coup de CC Cleaner, donc oui, je vais en parler vite fait, CC Cleaner. Pour ceux qui connaissent, CC Cleaner, ça permet de retirer les erreurs, etc. Et je mens pas, il y a eu 1000 et quelques erreurs, donc ça m'est jamais arrivé sur mon ordi à moi, donc ça m'a vraiment surpris pour vous donner un ordre d'idée. Normalement, moi, mon ordi, il fait 46 erreurs maximum. Là, 1000 erreurs, ça m'a surpris. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que ça buguait. Donc voilà. Donc maintenant je fais du 115 FPS, donc ça va, c'est posé. Donc là vous voyez qu'il y a une team de 2, donc j'avais pas trop quoi faire, je savais pas s'il fallait que je rush ou quoi. Et en fait vous allez voir qu'il y a le crafter du 06, donc big up à toi mec, qui va les rush et qui va s'en faire un et il va se faire tuer. Donc il en restait plus qu'un, donc j'ai décidé de le rush, voilà. Skinex, je vais décider de le rush. Donc déjà gros GG à toi. Le crafter du 06. Et puis voilà. Aussi, donc maintenant, j'ai fini de parler de l'ordi à... D'ordi, donc, déjà, vite fait, là, je le prends un peu dans le dos, il met un seau de lave. Donc là, j'ai eu chaud, parce que vous voyez, hein, je suis resté longtemps dans le seau de lave. Et là, je cherche le seau, je tombe vite fait sur lui, et je prends l'horloge au lieu du seau. Là, je le prends seau, je me mets sur les carottes, donc oui, gros fail. Ensuite, sur la boussole, et là, j'arrive à me mettre dans l'eau. Donc voilà, ça a été assez long, juste pour mettre dans l'eau. Donc, je disais, par rapport à la chaîne, donc
j'avais fait une vidéo, donc la vidéo précédente, j'ai fait une vidéo où est-ce que je vous expliquais la chaîne, etc. Et y a la plupart qui voulaient la rejoindre, donc je vous le dis direct, elle est complète, il n'y a plus de place, donc ça ne sert plus à rien de me demander de vous recruter. J'avais dit à plein de gens que j'allais faire une vidéo pour le recrutement de la team. Mais au final, ça s'est allé plus vite que prévu. La team s'est remplie plus vite que prévu. Et maintenant, on se retrouve à 5 et bientôt à 6 sur cette chaîne. Donc déjà, je vais vous faire un peu la liste de ceux qui y sont. Donc il y a moi, il y a Snow, il y a Mantalo, il y a Isinok et Pirlou. Donc on a tous une chaîne, donc je vous invite à aller voir leur chaîne. Donc celle de Snow, vous la connaissez. La mienne, vous la connaissez, sinon vous ne serez pas sur ma chaîne. Ensuite, Mantalo, je vous la mettrai dans la description, mais c'est Mantalo 37 ou un truc comme ça. Enfin, c'est bizarre à écrire parce qu'il y a un 0 à la place du O. Enfin bref, des conneries comme ça. Isinok, c'est pareil, c'est Isinok TV vu qu'il avait une chaîne avant. Donc Isinok TV, c'est pareil, le 0, le O, c'est un 0. Et Pirlou, c'est Pirlou Gaming, donc voilà. Y a Everykill aussi. Ça, j'ai oublié. Par contre, lui, je crois pas qu'il a de chaîne. Non, il a pas de chaîne. Il a pas de chaîne, Everykill. Donc voilà. Désolé de t'avoir oublié, mec, hein, si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, on est déjà 5. 5, si je me rappelle bien. Voilà, je pense que ça va suffire. Donc là, sur ce gameplay, j'avais pas le skin, mais vous allez voir que le skin, c'est un skin de poulet. Donc peut-être je vous le mettrai en photo à la fin de la fin de Hunger Games. Voilà. Et donc voilà, moi. Ensuite, là, j'étais dans la phase, je me mettais full fer, donc rien de bien méchant. Et c'est à ce moment-là aussi où est-ce que je vais prendre ce fer, que vous allez voir que on va me rush. Donc voilà, rien de très spécial. C'est pour ça que j'arrête l'accélérer. Donc oui, je commente en différé, ça je l'ai pas encore dit, mais bon, vous avez dû le remarquer. Je commente en différé pour avoir plus de temps de dire toutes les informations, mais pas vous laisser sans gameplay, donc voilà. Et donc là, je vais le rush, je vais mettre 4-5 coups, lui aussi va m'en mettre pas mal. Là, il va essayer de me mettre une flèche, ça va bien me faire jarter, donc là je vais me barrer. Et en fait, ce qui va me sauver la vie, c'est que Angel Games, il était en haut de la faille. Et il va aller se le faire, et heureusement, parce que là j'étais plutôt mal. Vous voyez les deux se fight au fond. Moi je les avais pas vus, donc j'essayais de fuir, je pensais que j'allais mourir. Et en fait non, voilà, que Enjoy Games l'a tué, donc voilà, GG à toi mec. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Avec Snotaki, on va démarrer une nouvelle série qui s'appellera Un Kit, Un Gameplay. Donc je vais vous faire une vidéo de présentation pour ça. Donc je vais la sortir, je sais pas quand, mais je vais la sortir un jour. Et puis voilà, donc aussi, je voulais dire merci pour la dernière vidéo, vu que vous avez été nombreux à laisser un j'aime, à beaucoup commenter et tout. Même si la plupart des commentaires, c'était pour rejoindre la team. J'en suis désolé pour ceux que j'ai répondu en spam, parce qu'il y avait tellement de commentaires pour me dire à la team. J'ai dû répondre en spam que je disais je vais faire une vidéo pour la chaîne, etc. Enfin, pour la recrutement et tout. Donc là, vous voyez que je remonte et le gars, il me met un saut de lave. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir mettre le saut d'eau. Donc là, je vais me fail. Je vais me louper. Je vais me louper et là, ça va être un petit moment de course-poursuite. Donc Snow me fait signe que Everykill, en fait, il a une chaîne. Donc sa chaîne, c'est Everykill78. Donc je vous la mettrai bien sûr dans la description. T'as dit quoi? Ouais, enfin bref, elle est pas très active, mais bon, c'est pas grave, hein. Faites-y un tour quand même. Et puis voilà, donc c'est à ce moment-là où est-ce que il va y avoir un gros speed, parce que en fait, ça va être une course-poursuite avec lui, avec le gars qui m'a mis dans la lave. Donc rien de spécial. Et en plus, j'ai mis en accéléré parce que ça va être un moment où est-ce que je vais avoir énormément de freeze, comme je vous en ai parlé au début de la vidéo. Donc voilà, c'est pas très gênant vu que j'ai mis le spin, donc voilà. Donc je vous ai mis une petite musique de fond, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je l'ai pas mis trop forte au cas où vous ne l'aimez pas. Si vous entendez de l'écho, c'est normal, je suis dans la salle à manger, donc elle est spacieuse, donc ça fait de l'écho, normal. Et puis voilà, donc Hunger Games ne dure pas très longtemps, il dure vers 12 minutes vu que j'ai fait des accélérés. Et il y a au moins 5 minutes de course-poursuite avec ce gars, donc c'est pour ça aussi que j'ai mis un speed. Je vais contacter un VFX, je sais plus comment il s'appelle, un VFX, mais bon, je me rappelle plus du nom.
Il a, je sais plus combien il a d'abos, il a, je crois, plus de 1000 abos. Donc, c'est un, pour ceux qui ne savent pas, un VFX, c'est ceux qui font les intros. Donc, vu que je pense, enfin, je trouve que ma chaîne a besoin d'une intro quand même. Enfin, je préfère les chaînes avec des intros, je sais pas pourquoi. Il y a Snow d'ailleurs, il me dit, mais les intros, ça sert à rien, pourquoi t'en veux une et tout. Bon, moi, je trouve que ça sert. Ça rajoute un petit truc avant la vidéo, enfin voilà. Et donc, c'est Easynok d'ailleurs qui nous l'a montré, ce VFX. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'avais plein de choses à dire, je me rappelle plus du tout. C'est vraiment abusé. Je vous ai parlé, je pense, de à peu près tout ce qui était vraiment, important. Donc encore, pour reparler de la team, je vous invite à aller voir tous les membres de la team, toute leur chaîne, parce qu'ils le méritent, ils sont gentils. Et puis voilà, donc là, je sais pas ce que j'avais des bugs de souris, enfin bref, on s'en fout. Donc là, en plus, vu qu'il neigeait et qu'il pleuvait, je laguais encore plus, donc c'était vraiment la cata. Et puis voilà, donc l'Hunger Game va bientôt toucher à sa fin, on va s'approcher du gars, rien de très spécial. Et n'hésitez pas à aller voir surtout la chaîne Asno qui commence à vraiment être actif. Il sort 2 vidéos par jour presque. Donc c'est assez cheaté. Ouais, bref, on s'en fout. Aussi, pour parler vite fait au niveau de l'emploi du temps pour le reste des vacances, donc je vais essayer de mettre des Hunger Games planifiés pour la semaine prochaine, vu que je pourrais pas mettre de vidéos à upload. Donc j'essaierai de vous planifier un ou deux Hunger Games. Puis voilà, tout simplement. Parce que là, pour l'instant, j'ai encore 2 Hunger Games en attente. Donc je vais vous en sortir un pour après-demain, donc samedi. Et je vais en mettre un planifié pour mercredi. Et donc, jusqu'à que je parte de chez Snow, faut que j'arrive à tourner un ou deux Hunger Games. Et donc, comme ça, ça vous fera 3 ou 4 Hunger Games aujourd'hui, pour cette semaine. Et 2 Hunger Games la semaine prochaine, donc voilà. Faudra pas oublier aussi que à la vidéo 500 abonnés, il y a une vidéo très spéciale. Je vous dis direct, c'est une vidéo très très spéciale, ça va vous faire sûrement plaisir. Il y a certains d'ailleurs qui ont déjà spoil le truc, mais bon, c'est pas grave. Hein. GG à vous, mais bon, dites-le pas, hein, c'est le meilleur à faire. C'est pour garder la surprise aux autres, et j'espère que ça vous plaira. Et donc voilà, là c'est la fin de l'Hunger Game, je vais le mettre dans la lave. Enfin, je vais gérer la lave, et là, voilà, il va mourir. Donc j'espère que cet Hunger Game vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, merci à tous d'avoir regardé. Allez, ciao tout le monde.